to your favorite modern world. Bonjour tout le monde. Sérieusement, êtes-vous prêt à écouter 86 minutes de musique non-stop? Parce que le dernier album de Frost fait justement cette durée. Un monstre de 14 titres intitulé Live in the Wilds. Je n'avais pas été très tendre avec le précédent opus Day on Age, que je n'écoute plus depuis sa sortie. Alors quand le nouveau Frost s'est annoncé, je me suis lancé dans une exploration plus que circonspecte des morceaux, cherchant la petite bête qui m'agacerait pour ne pas l'acheter. Bon oui, si je vous en parle aujourd'hui, vous vous doutez bien de ce qui est arrivé. Je ne lui ai pas trouvé le moindre défaut, même pas sa longueur. Pire, je l'ai adoré et du coup j'ai commandé l'édition vinyle rouge transparent après une première écoute. Je rapproche beaucoup, et sans doute pour de mauvaises raisons, Life in the Wilds de Experiment in Mass Appeal, sorti 14 ans plus tôt. Sans surprise, Frost fait du Frost. On reconnaît immédiatement la signature musicale du groupe, ses choix rythmiques et les voix complémentaires de Jim et John. C'est d'ailleurs peut-être ce qui m'a tout d'abord séduit sur ce nouvel album. Mais sorti des similitudes, il y a aussi les nouveautés comme ce Strange World bien nommé ou le long Life in the Wilds Part 2. C'est aussi un album très instrumental, ce qui le rend plus digeste sur la durée et dans lequel s'incrustent de nombreux extraits sonores radiophoniques vintage. Vous entendrez même des passages symphoniques comme dans Sign of Life ainsi qu'une pièce au piano intitulée Absent Friends. Life in the Wilds est un concept album qui parle de Nayo, un jeune homme qui fête son 21e anniversaire, et du mystérieux Mr. Lifewire, dont la voix radiophonique hante les pistes de l'album. Une histoire d'un monde à la Big Brother, dirigé par The Eye, une intelligence artificielle qui surveille les habitants et dont le jeune homme tente de s'enfuir. Il part à la recherche de la mystérieuse voix de Lifewire, qu'il a entendu sur un vieux poste à radio donné par sa mère. La musique aussi entre de délicates dentelles et des accélérations ou dérapages très contrôlés, des morceaux maîtrisés et cérébraux qui prennent tout de même aux tripes à chaque écoute. Life in the Wilds est un des meilleurs albums de Frost et sans doute un des meilleurs albums de l'année 2024. Ce n'est pas moi qui l'écris, mais le magazine Progressive Music Planet. Et je suis d'accord avec eux. Cet album est brillant, et tout simplement, brillant. Du coup, je vais devoir peut-être réviser mon top 3 de l'année. Foncez l'écouter, il est indispensable. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve lundi pour une nouvelle découverte. Vous pouvez cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette chronique, et si vous voulez découvrir les autres, abonnez-vous. Merci au passage aux nouveaux venus sur la chaîne, ça fait chaud au cœur. Bisous !